Contribution numéro 121. Enregistrement de Madame Lydie Guyard et de son fils Léo Guyard, réalisé le samedi 16 novembre 2013 dans le studio d'enregistrement des archives départementales à Pierre-Vive, Montpellier, France. Est-ce que vous pouvez me dire de quelle personne il est question dans les documents que vous apportez aujourd'hui ? Alors, les questions de mes grands-parents maternels. Alors, est-ce que vous pouvez nous donner leur prénom et nom, s'il vous plaît ? Alors, mon grand-père Henri Dufaux, D-U-F-A-U. D'accord. Et ma grand-mère Louise Thérèse Mariette. Son nom de famille, c'est Mariette. Son nom de jeune fille, d'accord. Oui. Alors, tous les deux, dites-moi plus, où et quand sont-ils nés, Henri Dufaux ? Alors, ils sont nés tous les deux en Seine-et-Marne, à Mormant, dans un petit village. D'accord. En quelle année ? Alors, elle est née en 1896, ouais. En septembre, et lui, il est né en novembre 1994. Ok. Alors, Henri Dufaux, en 1914, est-ce qu'il est mobilisé d'abord dès 1914 ? Oui. Ouais. Il a commencé la guerre dès la première année, ouais. Conscrit comme beaucoup d'autres. Et à ce moment-là, il réside où ? Mormant. Toujours. Hein. Mmh. Où il exerçait, où il commençait à exercer un métier, où il se destinait à une profession maçon. Particulière. Il était maçon. Mmh. Il a survécu à la guerre ? Oui. Après-guerre, il a continué à être maçon. À être maçon. Mmh. Est-ce que sa femme avait un métier ? Alors, elle faisait plusieurs choses. Elle faisait des petits boulots, hein, comme à l'époque. Mmh. Elle travaillait aux betteraves. Ouais. Elle faisait de la broderie, ouais. Le soir, la veillée, et le week-end, elle lavait les draps pour une famille un peu plus bourgeoise. D'accord. Est-ce que vous savez à quel régiment il appartenait pendant la guerre ? C'était... Tout ce que je sais, c'est que c'était un régiment... Chasseur à pied. C'est ça. Il ouais. était clairon. Et il était clairon, d'accord. Ouais. Clairon c'est... On l'a sur les documents. J'ai il était clairon un temps, puis après, il a été infirmier. Enfin, après, brancardier. Il était ambulancier. Brancardier ensuite. Brancardier, ouais. Brancardier ou ambulancier ? Brancardier. Brancardier dans les années 18. Il revient de la guerre en quelle année ? À la fin. La dernière lettre, elle date de novembre 18. Je pense que dans la lettre, il dit qu'il sera rentré pour le 12 décembre. D'accord. Donc, décembre, fin 1918. Mmh. Est-ce qu'il a été blessé pendant la guerre ? Non. Enfin, pas à ma connaissance. D'accord. Non. Alors, est-ce que vous pouvez me décrire les documents que vous avez apportés aujourd'hui, le concernant ? De quoi s'agit-il ? Alors, c'est leur correspondance. Mmh. Entre eux deux. Hein. Qui représente quel volume ? Il y a à peu près... combien il y a de lettres ? Une trentaine de lettres. De ce qu'on a une trentaine, quarantaine voilà. de lettres. Ouais. Ouais. 30-40 lettres. Et encore, je pense que c'est un affine. Oui, c'est une ouais. partie, il n'y a pas une tout. Partie de ce qu'on a. Et une est-ce partie. Que vous avez l'échange complet, c'est-à-dire les lettres de votre grand-mère, la réponse oui. de votre grand-père, oui. etc. Oui, oui. Oh, oui. Il me semble même qu'on a quelques lettres de la mère. Non, il n'y a pas de lettres de sa mère. Il parle de sa mère, mais non, non. Oui, c'est un échange entre eux et oui, c'est les réponses. Et cet échange fait. Débute à partir de quand ? Dès sa mobilisation ? En 1916. Ouais. Ça commence en 1916. Ouais. D'accord. En mai 1916. Et est-ce que vous avez d'autres documents les concernant ? On a deux photographies. Ouais. D'une qui a été prise au mariage. D'accord. Donc, juste avant la mobilisation. Ouais. Et la deuxième qui doit être pendant. Il n'y a pas de date sur les photos. Ouais. Via l'uniforme, on pense que c'est pendant 1916 ou ouais. Dans ces eaux-là. On a Je sais pas si le mariage c'est avant la mobilisation parce que ils se sont mariés peu après. Ils se sont mariés quand ? En 16. Pendant la guerre. Ouais. Hein. D'accord. Elle était enceinte de 8 mois. J'allais dire est-ce qu'elle avait des enfants ? Oui, elle était temps effectivement. Elle était enceinte de 8 mois, oui. Bah après les permissions étant ce qu'elles sont. Leur fille est née un mois après le mariage. Ça fait bizarre parce qu'il possède l'uniforme. Mais il a l'uniforme de 14 sur la photo du mariage. Il a peut-être mis son uniforme. Ouais. Mais il se marie en 1916. Hein. C'est ça. Oui. Donc il a mis son uniforme, effectivement, pour 1916, le mariage. Hein. Ouais. L'uniforme, c'est la photographie où il est en uniforme, c'est en studio ou c'est sur le front ? C'est en studio. C'est en studio. Non, c'est en studio. C'est d'accord. Une photo au fond. Ouais, c'est en studio. D'accord. Je vais regarder. C'est en studio. On va revenir sur cette correspondance.
Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou qu'est-ce que vous avez remarqué, le contenu de cette correspondance, de quoi parle-t-il? Est-ce que... Alors, lui parle surtout de son ennui profond. Ouais. Il s'ennuie, mmh. Je pense que son pays, comme il disait à l'époque, ouais. Et ses proches lui manquent énormément. D'accord. Il dit beaucoup qu'il a le cafard, qu'il s'ennuie, mmh. Il s'inquiète beaucoup de sa santé à elle, ouais. De la santé de sa fille quand qui elle est née, de ouais. La santé de sa mère à lui qui est malade. Ouais. Mmh. Il y a un profond. Ouais, on voit. Bon, nous, les lettres datent de 16. Et dans une lettre de 17, il dit que ça fait 3 ans que maintenant il commence à trouver ouais. Le temps long. Et que dit votre grand-mère? Par rapport à tout ça, qu'est-ce qu'elle répond? Elle répond que bien sûr, elle s'ennuie aussi, qu'elle ouais. Aimerait bien qu'il soit là pour le taquiner un peu, c'est son, pour le faire enrager. Je pense qu'il se taquinait beaucoup. Et elle, bon, elle travaille énormément, elle dit que le soir elle est épuisée, elle raconte d'accord. Beaucoup, elle ses journées. Ils ont eu d'autres enfants ensuite? Par la suite ouais. En tout, ils en ont eu 9. 9, effectivement, ils en ont eu d'autres. Deux ouais. Pendant la guerre, là, 2 filles. D'accord. La deuxième née La deuxième, elle est née l'année d'après. En 1917 En 18. En 18. La première est née en 16, la deuxième en 18. D'accord. Deux ans après. La deuxième a vécu que 2 mois. D'accord. Cette correspondance, toutes ces lettres, ces photographies, vous en avez eu connaissance quand? Alors moi, j'ai connu mes grands-parents. Mon ouais. Grand-père, il est décédé, j'étais très jeune, mais moi, j'ai connu ma grand-mère quand même jusqu'à ce que j'ai une dizaine d'années. Ouais. Et bon, elle parlait beaucoup de ça. Ouais. Et elle avait ses lettres chez elle. Vous en souvenez, enfant, avoir vu déjà ses lettres? Ah oui. Alors, elle les montrait spontanément et elle parlait de votre grand-père. Oui. Oh oui. Qu'est-ce qu'elle en disait justement? Qu'est-ce qu'elle vous disait? Alors, elle parlait du grand-père, mais bon, il y a eu 2 guerres hein, entre ouais. Temps. Hein, donc, en plus, lui, il avait eu un accident. À l'entre-deux guerres Entre les deux guerres, ouais. Il a eu la gangrène, ils ouais. Ont coupé un pied, donc après, il n'a pas pu travailler. Donc, c'était beaucoup de cet accident qu'elle parlait ouais. Plutôt que de la guerre. Peu de la guerre finalement. La guerre, elle parlait, mais par exemple, la deuxième guerre. Que ma mère avait été enlevée, mmh. Ma mère c'était ouais. La dernière qu'on lui avait pris pendant l'exode. Ouais. Mais on ne parlait pas beaucoup d'accord. De la première guerre. Et quand est-ce que vous, vous avez redécouvert ces lettres? Quand est-ce que vous les avez eues entre vos mains? C'est un petit peu de mon côté parce que je suis un grand passionné de tout ce qui est guerre jusqu'à la guerre du Vietnam. Ouais. Et donc quand j'ai appris que mes grands-parents, donc ses parents, possédaient des lettres d'un arrière-grand-père qui aurait été au front, ça m'a plu tout de suite, donc ouais. J'ai voulu les lire tout de suite. Et on a récupéré donc plusieurs documents comme ça. Et c'est une de mes tantes qui gardait tout. Et voilà. D'accord. Qui garde tout, qui ne jette rien. C'est ça. Et donc on a réussi à récupérer. Donc elle nous les a données. Ces quelques lettres. Juste, je vais tousser la fois. Couper 2 secondes. Je m'escanne, je sais pas ce que j'ai un truc au fond de la gorge. Désolée. Mais je viens de le dire, hein. Attention, je vais tousser. Désolée, Hélène. Ok. Parce que j'essaie de bien. Comme on m'a appris. Penche-toi. Ouais, comme ça. D'accord. Ah, punaise. Mais les lettres, c'est Suzanne qui nous les a données. Mmh. Oui. Suzanne, Suzanne, c'est votre tante, la grande tante. Oui. Ah, mmh. On va revenir dessus. C'est ma voilà. Tante. Ben, c'est les dates de naissance, hein. Vous savez, ils avaient 9 enfants. Ah ouais, c'était discret, j'avais même pas vu, moi. Comme ça, j'aurais pas fait une bonne surveillance d'examen. Hein. Ils avaient 9 enfants. J'ai noté le mariage, leur date de naissance et la naissance des enfants. Ah, je me dis, punaise, hyper à l'aise en date. Hein. Alors. Donc cette correspondance, vous me disiez, c'est dans votre famille, c'est qui l'a conservée et qui donc vous l'a transmise? C'est ma tante. Ouais. Voilà. La 20e fille de mes grands-parents. Et pourquoi elle vous l'a confiée? Pourquoi c'est arrivé jusqu'à vous finalement? Parce que je suis un peu sa chouchoute. Ouais. Bon, on va dire que c'est aussi tous les petits-fils, tous les petits-neveux. Mmh. Et quand je lui ai dit que j'aimais bien que je m'intéressais surtout à la Première Guerre mondiale, ouais.
Pas hésiter. Et vous, en tant qu'arrière petit-fils, qu'est-ce qui vous a qu'est-ce qui va attirer votre attention à travers la lecture de ces correspondances? Est-ce que vous avez découvert quelque chose En fait, j'essaie de voir plusieurs points de vue, c'est-à-dire là, c'est le point de vue de la famille, mais aussi il y a beaucoup d'autres points de vue, comme ceux des combattants. Lui n'était pas trop combattant, il était plus au niveau de, comme on l'a dit, du sauvetage au clair. Ouais. Donc c'était plus en retrait. Mais j'aime bien aussi m'intéresser dans tous les domaines. Et dans ce domaine-là, il y a aussi le domaine de ceux qui s'occupaient des malades, de la commotion cérébrale. Ouais. Et ça peut aller très loin. Et donc, avoir le point de vue de beaucoup de ces personnes-là, donc, tout en sachant qu'il y en a un de ma famille, pourquoi ne pas s'en intéresser directement. D'accord. Qu'est-ce qui a motivé votre démarche par rapport à cette grande collecte, l'un et l'autre? Alors moi, j'ai vu ça à la télé, en fait, ouais, qui faisait une collecte pour le centenaire. Donc, je suis allée sur le site. Ouais. Et après, j'ai cherché à quel endroit je pouvais déposer ces documents. Parce que vous aviez ces documents. Oui, parce que je me dis qu'après nous, ça va peut-être être jeté. Je voulais qu'il reste une trace quand même de ces gens qui ont participé à cette guerre. On en a parlé. Bon, on s'intéresse à ça quand même. Mais ceci dit, vous avez justement quelqu'un à qui transmettre, a priori, cette histoire familiale et ces documents. Oui, oui, bien donc, sûr. C'est bien un point sûr. Positif. Mais après, après, on ne sait pas. Hein. Après lui. Après lui, on ne sait pas. D'accord. Peut-être pas moi. Est-ce que vous auriez une information supplémentaire à nous donner le concernant ce grand-père, Henri Dufaux? Je vois que vous avez aussi apporté une citation. Il a été décoré. Oui. Il a été décoré pour sa bravoure en sa qualité de brancardier. D'accord. En août 1918, c'est un moment donné où il est parti sur le front sauver quelques camarades qui étaient blessés. Ouais. Et il les a ramenés sains et saufs, et lui aussi, sans aucune blessure. Donc il a été récompensé pour cet acte dit de bravoure, comme il disait à l'époque. Ouais, ouais. D'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, merci beaucoup pour votre témoignage et pour votre contribution à la grande collecte.